On arrive vraiment aux instants final. Restons attentifs parce que ces derniers éléments, avec la technique utilisée, peuvent être intéressants à voir. Avec son coup de pinceau, le départ de l'imam sur le champ de bataille, pour donner un aspect encore plus, religieux. Je vais demander à notre Nawakan de faire un petit marasya, s'il vous plaît. Sakina al-wida mucho makar shehle kaha le ay sakina al-wida baba tera marne chala baba tera marne chala le ay sakina al-wida bahe gale mein dal de aur muh pe muh rakh de mere bahe gale mein dal de aur muh pe muh rakh de mere baba tera ran ko chala baba tera ran ko chala le ae sakina alvida mucho makar shehne kaha le ae sakina alvida hum kaha aur tum kaha dekhoge kya kya khwariya mil le gale ab meri ja mil le gale ab meri ja le ae sakina alvida mucho makar shehne kaha le ae sakina zalim jo chine baliyan aur kurta ho lohu loha zalim jo chine baliyan aur kurta ho lohu loha shikwa na lana bar
زبا شکوا نلانا بر زبا لے اے سکینہ الودا موچو مکر شہنے کہا لے اے سکینہ الودا بابا تیرا مرنے چلا بابا تیرا مرنے چلا لے اے سکینہ الودا حضور حاجت میری حاجت میری اے کی کربلا ہو قبول محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم Je vais juste vous demander deux ou trois petites minutes d'attention par rapport à la suite de ce qui va se passer. Alors par rapport à Mefilé Zénel, Inch'Allah, à 7h10, il y a un programme de Namaz Jamaat. Et dans la continuité, on va faire un Majlis de Viladat Inch'Allah. Par rapport à l'œuvre qui vient d'être dessinée, sincèrement, je n'ai pas les mots pour remercier Maître. Le Majlis qu'il vient de faire, ça nous a vraiment pénétré au fond du cœur. Et en toute sincérité, je voudrais vous remercier au nom du public, au nom des membres de Mefilé Zénel, des membres de Mohamedi Mabalda et de toutes les autres associations qui sont ici présentes, de nous avoir fait découvrir l'événement de Karbala autrement que celle qu'on a l'habitude de connaître. Et rien que pour ça, merci, merci énormément à vous. L'œuvre qui a été faite, comme il l'a dit tout à l'heure Maître, avec le cœur qu'il a, il a donc offert à l'association Wiz Hussein, qui va donc s'en servir pour faire la promotion de son mouvement. Inch'Allah, je vous invite tous, le vendredi 30 mars, à Mefilé Zénel, date à laquelle on va, Inch'Allah, commémorer le viladat de Imam Ali alayhi salam. Lors de cette viladat, Inch'Allah, il sera remis officiellement l'œuvre de maître à l'association Wiz Hussein. Parallèlement, je vous invite également tout le monde à assister le lendemain, samedi, à Mohamedi Mabalda, où on aura un intervenant de qualité. Et à cette même occasion, il sera procédé également dans le hall de Mohamedi Mabalda la vente des billets, comme ça a été déterminé avec le président Azim Jetta ici présent. En tout cas, merci à vous, du fond du cœur, merci d'avoir assisté et malgré le temps qu'il fait, d'avoir pris du temps pour venir honorer le travail de maître. Et je pense que tout le monde va garder un souvenir exceptionnel. Je veux juste demander à président Azim de dire deux mots par rapport à cette cérémonie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, quand Azad m'a écrit pour venir ici, avec le froid et tout, on hésitait. Puis on a décidé de venir et honnêtement, je n'ai vraiment pas regretté d'être venu ici parce que c'est tout juste impressionnant le travail que Maître a fait. Et que Nar et Salouat pour lui. Inch'Allah, on n'a pas l'occasion de le faire habituellement, mais par rapport à cet événement exceptionnel, le Fatio et le Tabarouk sera distribué à l'intérieur et le Chai également exceptionnellement aujourd'hui. Particulièrement l'organisateur, les organisateurs de cet événement. Vous êtes les organisateurs de ce majlis, vous êtes les propriétaires de ce majlis et vous m'avez invité comme un serviteur de ce majlis pour pouvoir aussi apporter quelque chose.
je vous en remercie pour, on va dire, les bénédictions que grâce à vous j'ai pu recevoir. Merci beaucoup. Sachez que là, dans cette petite assemblée, là, on est tous ensemble. Mais soyez sûrs, nous, ici, les personnes qui aiment Hossein, les chiés, Ali, comme je vous dis, M. Azad, nous nous rassemblerons certainement le jour dernier. Tous les amoureux de Hossein seront tous ensemble en cercle autour de Hossein et nous nous retrouverons là-bas. Inch'Allah. Inch'Allah, à très bientôt. Merci beaucoup. Il va se passer une petite cérémonie juste au niveau de cette table qui n'était peut-être pas visible par tout le monde, donc je vais vous la décrire. C'est le maître qui donne un certificat d'authenticité par rapport à l'œuvre qu'il vient de réaliser, de façon que, Inch'Allah, l'heureuse personne qui va avoir en possession de ce tableau sera, comment dirais-je, éternellement reconnaissant de ce qui a été produit. Donc, maître est en train de signer deux documents. Un pour le tableau qu'il vient d'établir et un pour le tableau qui a été établi devant le public des jeunes hier et qui est exposé au fond. La seule chose que je vous demanderai, c'est de faire attention de ne pas poser vos doigts parce que le tableau n'est pas encore sec. Mohamed Ibn Dival et Mohamed Salvat. Ici, nous voyons, on va dire, le tableau s'appelle Débat. On voit Imam Reza, ici Mahmoud et les différents représentants des religions, le chrétien, le juif et d'autres zoroastres, par exemple. Ici, on voit le tableau qui s'appelle Arche, l'arche est tombée à terre. L'instant où Imam Hussein est seul et les assaillants sont autour de lui, prêts à l'exterminer. Bien sûr, en allusion à Ali Asghar, plus petit fils, on va dire, d'Imam Hussein, qui au dernier moment reçoit l'arche et son sang coule entre les mains de son père et son père le jette aux cieux, qui reste entre cieux et terre. L'œuvre principale de toute l'exposition, c'est la raison de la création, la naissance de Bibi Fatima, avec, on va dire, la bienvenue. On voit le prophète en plein milieu, on voit les anges qui sont venus accueillir l'enfant et les quatre femmes du paradis venues soutenir Sayyida Khadija pour l'accouchement. Préparé du public, c'est l'œuvre qui montre Abul Fazl al-Abbas dans l'eau, mais malheureusement, cette eau-là, il ne peut pas le ramener à la famille de Hossein. Ensuite, nous avons le tableau Uhud. Bien sûr, en allusion par rapport à la guerre de Uhud, Imam Ali est montré en plein milieu en train de se battre valeureusement, on va dire, devant les assaillants. Le tableau Massacre, tableau très poignant où on voit la scène finale, le moment même où Imam Hussein est pris de par tous les sens et les assaillants sont venus prendre chaque bout de corps et prendre le corps déchiqueté. L'instant même où ce tableau, c'est le dernier soldat de la Légion, Sayyidé Zainab amène Ali Asghar dans les bras de Hossein. Hossein qui maintenant n'a plus son armure et va devant les assaillants et leur montrer l'enfant pour qu'au moins ils aient pitié de l'enfant. Le tableau ici s'appelle « Plus doux que le miel ». On voit ici Imam Hussein prendre entre ses mains Hazrat Qasim. Le tableau très puissant en termes d'impact, ça s'appelle « Qahir al-Adou » ou en traduction « Effrayeur de l'ennemi ». Ici on voit Imam Ali dans un état de puissance, mais qui en même temps retient
d'employer sa puissance. On voit sa main posée sur l'épée, mais qui ne prend pas l'épée et ne l'utilise pas. On montre en fait à travers cela autant le djihad qui sait si bien faire et autant le djihad qui fait sans combattre. Ici, on voit le tableau que M. Ruhul Amin a peint pour les enfants du madrasa Mahfel Zaina. Et bien sûr, on voit l'œuvre finale, le dernier œuvre de Hassan Ruhul Amin dans l'histoire, on peut le dire, qui s'appelle Al-Veda, l'adieu, où on voit Sayyidi Zainab et les enfants de Hussein lui dire le dernier au revoir et Hussein allant pour la dernière fois combattre. La peinture a duré pendant 3 heures pour avoir le résultat que vous pouvez apercevoir. Ici on est, si on peut les défiler, nous sommes on va dire devant des œuvres qu'il a fait en, on va dire, dans une série du prophète. On voit le prophète de sa naissance jusqu'à sa jeunesse, la prophétie et bien sûr toute la question qui en rappelle. Donc on voit ici le prophète dans la grotte de Hira. Ici nous voyons la naissance du prophète qui vient ramener de la lumière dans l'obscurité. Ensuite, nous pouvons aller voir le tableau qui parle de sa jeunesse, qui est le tableau où on voit, comme tous les prophètes, on voit ici le prophète en tant que berger, comme tous les prophètes, dans sa jeunesse. Et on les a pas vus dans l'ordre, mais ici, on voit la nuit, dans ce dernier tableau, la nuit de naissance du prophète, où on voit dans cette maison cette lueur de lumière qui rajoute, comme les étoiles qu'on peut voir, une étoile sur terre qui est la naissance du prophète.